Chaque année, c'est la même chanson. 800 choristes, une seule partition. Et il faut mettre tout cela en musique. La méthode pour y arriver, du travail et de l'humour. Frein ! Tant que je passe ça, au ralenti, le son, vous, so. On a perdu une émission. C'est fabuleux, c'est presque indescriptible, une motivation vraiment. Tout le monde a répété chacun chez soi à la maison et là on met tout en commun et c'est formidable avec des chefs qui ont un punch, une énergie qui nous boostent, c'est génial. Difficulté supplémentaire cette année, les fous s'attaquent au répertoire de Johnny Hallyday. Sacré challenge. Johnny, c'était quelqu'un qui avait une énergie sur scène pas croyable, un charisme. Bien sûr, les chansons sont pleines d'énergie. Mais si avec le cœur, on ne peut pas retransmettre cette énergie que Johnny a, bah dans ce cas, ce n'était pas la peine de le faire. Et là, on a une énergie extraordinaire. Les gens donnent tout et voilà. C'est physique, mais c'est bien. Parmi les fous chantants, tous ne sont pas fans de Johnny, mais tous redécouvrent ses chansons. Très plaisir de chanter Johnny. Ce qui fait très plaisir, c'est que c'est une chanson vraiment variée, quoi, de la mélodie douce au rock, au blues, à tout ce que vous voulez. Et vraiment, c'est que du plaisir de chanter Johnny, que du plaisir. Je connaissais Johnny, mais pas comme ça. Pas comme ça. C'est un cœur, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pas forcément pour Johnny que je suis venu, mais c'est vraiment pour l'ambiance et tout, et après Johnny fait le reste. Toute la semaine, les fous répètent et répètent encore pour éviter les couacs. Car adapter du Johnny pour le chant choral, pas évident, mais pas impossible. On peut faire n'importe quelle chanson en chant choral, c'est ça. Et on va la revisiter. Et on va s'en prendre plein la tête parce que c'est Johnny x2, x3, x4 et c'est toute la magie. Je peux pas l'expliquer, c'est difficile à expliquer, mais tout se chante en chant choral. Et ce week-end, les fous seront prêts pour chanter toute la musique qu'ils aiment.